Voici où en est notre histoire. Le bastion était sec, mais le cavalier libéra ses larmes. Les anciens se réjouirent, car leur forge était sauvée. Ils façonnèrent alors une clé, capable d'éveiller la pierre. Salut à toutes et à tous, c'est Holobat. Aujourd'hui, on va terminer l'épreuve de la Forge Brisée, le donjon de la Forge Brisée. La dernière fois, on s'était arrêté sur l'énigme du donjon, donc de la Forge Brisée, qu'on va terminer maintenant. Aussi, on va trouver Vulgrim, et j'arrêterai pas l'enregistrement tant qu'on l'aura pas trouvé, parce que c'est sûr, j'ai vérifié un peu sur internet sans trop me spoiler. On trouve normalement Vulgrim bien avant l'endroit où on est maintenant. Alors c'est parti. Donc là il va nous falloir des bombes j'imagine. Voilà, il fallait repasser dans l'eau. Voilà, impeccable. Mon Dieu. Pour une fois, une épreuve qui se passe bien. On y croit. Voilà, ça c'est fait, il n'y a plus qu'à rejoindre. Ah mince, j'aurais peut-être dû... Je me suis précipité, j'aurais peut-être dû essayer d'exploser ça avec. Bon, c'est pas grave. Alors, j'imagine qu'il faut refaire le tour. Il n'y a pas d'autre issue. Oh non! Oh putain. C'est rien, on prend les mêmes et on recommence. Non. Une espèce de... Dès que je lâche le joystick pour me déplacer, une espèce de... Qu'on appelle ça? Oh non, mais c'est pas vrai! Le personnage continue de d'avancer en fait, même quand j'ai terminé. Oh là, je fais vraiment de la merde. On va se reprendre tout de suite. Allez. Regardez, je suis là. Hop, je fais un coup sur le joystick. Je lâche. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer simplement en image, mais... Du coup, c'est ça qu'on avait... Voilà, cette porte-là qu'on avait délivrée. Ça, j'imagine que c'est pour quand on tombe. Un nouvel ennemi. Celui-là, on l'a pas encore vu. Alors. Ok, bon, au final, il est bidon. Par contre, eux, ils sont en nombre. Et ça, c'est la merde. Oups.
Oh là, oh là là. Non, pas encore. C'est vrai que j'ai un bouclier, je l'ai pas encore essayé. Oh putain, pardon. Je suis encore grossier. Je crois que les ghouls vont... Je vais les augmenter bien avant... Bien plutôt que prévu. Que j'ai quelques attaques qui permettent d'en générer. Il est vénère celui-là. Oulalalala, on se sent pas. Ah, parfait, une niche. Page du livre des morts. Ne pas rester dans le coin. Ah, en plus on ramasse un élément d'équipement. Alors. C'est ça. Oh, ça y est, on commence à avoir une espèce de petite toge, une cape. Moyen tout ça. On va rester comme ça. Ah, c'est cool, ça fait plaisir d'être de plus être à poil là. Il y a des armures beaucoup plus stylées par la suite. Voilà une clé. C'est vrai que les fondateurs nous ont donné une super clé, mais au final, ils auraient pu nous donner une clé qui nous ouvre un peu tout. Ça aurait été bien mieux, plus chic de leur part. Parce que là, on se retrouve à quand même devoir aller chercher des clés de donjon, c'est quand même malheureux quoi. C'est genre les fondateurs, ceux qui ont créé tous les mondes, ils sont pas foutus de nous faire une clé qui nous ouvre un pauvre cadenas comme on a là. Ah, ça y est. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans, je me souviens même plus d'avoir fait ça, je pense que c'est un truc annexe. Brise os. Dans les mains d'un forgeron d'exception, ce marteau peut forger des armes et des armures puissantes. Rapportez-le à Valus à Tripetra. D'accord. Ça me sera sûrement utile. Ben on verra si c'est vraiment utile, j'espère. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Bah du coup on va aller donner ça tout de suite. Pour voir un peu ce que ça nous offre. Et ensuite on va voir Vulgrim, maître des techniques de base. Talisman. Voilà. Nous revoilà Tripetra. On va aller donner le fameux marteau. Ah bah c'était vraiment une quête. Ils ont dû me donner cette quête à un moment donné, mais j'avais complètement zappé, sûrement au tout début qu'on est arrivé à Tripetra. D'accord, et puis. Ah oui, c'est vrai, ils sont dans la forge. Dans la grande forge maintenant. C'est vraiment super, ben, ce côté lave d'un côté, eau de l'autre, c'est vraiment... ça donne des super couleurs. Alors, à qui je donne le marteau ?
toi, non? Non, il s'en fout. Il sait pas parler. La forge brûle à nouveau, et c'est grâce à toi. Mais ne t'endors pas sur tes lauriers. Tu as un automate à réveiller, non? Valus n'a pas l'air convaincu. Oui. Il pleure la perte de son ami. Valus avait un ami? Oui. L'enfoiré, comment son il le... Son grand marteau. Comment les il taille. C'était le fléau des géants. Il l'a perdu dans un donjon à l'ouest d'ici. Et il a du mal à s'en remettre. Si tu trouves... C'est les ombres sur son corps qui ont du mal à s'en remettre aussi, là. Tu auras toute sa gratitude. Il te forgera peut-être une arme digne de ce nom. Ah d'accord, donc j'ai pris peut-être un peu d'avance. Alors faites chauffer la forge. Par la pierre, tu l'as déjà retrouvée? Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? Je sais pas quoi dire. Mon ben frère merci, te remercie. Peut-être. Il est heureux d'avoir retrouvé son ami. Pourrait commencer par là. Il va forger des merveilles telles que ce monde n'en a jamais vu. Je vous laisse travailler, Valus. Si tu repasses, nous aurons des objets encore plus puissants à te proposer. Ah, vas-y, propose. Oh, Valus n'a pas chômé. J'ai de nouveaux objets. Oh, Valus n'a pas chômé. J'aime bien sa voix, c'est énorme. Ça me fait penser à Skyrim, le mec qui dit, je sais plus dans quelle ville, quand on va voir pour savoir ce qu'il vend. Bon, qu'est-ce que vous vendez Oh, des babioles, des petites choses. C'est... Ça m'a toujours marqué. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vendent? Ben, y a rien de spécial, on s'en fout, là, de... Est-ce qu'il faut aller le voir, lui, directement? Ah, attends, fallait peut-être... valider la quête, d'abord. Qu'est-ce qui t'amène ici? Acheter des armes et armures. Non? Ça n'a pas l'air vraiment nouveau, tout ça. J'ai l'impression de m'être un petit peu fait avoir, là. Oh, elles ont l'air chouettes, celles-là. Ouais. Mais par contre, je vais attendre un peu avant d'acheter des trucs parce que... Parce que c'est le coup d'acheter un truc et puis que tu récupères mieux... Tu récupères des meilleurs loot ensuite. Ce serait dommage. Bah, du coup, on va aller... Non, c'est pas par là, c'est de l'autre côté. On va aller essayer d'affronter Tan. Je crois que c'est Tan qui s'appelle. L'un des fondateurs, là. Parce que j'avais vu dans les quêtes annexes que... Fallait réussir à le battre, donc on va faire ça. Et ensuite, on va aller voir Vulgrim. Enfin. Si je le trouve. Enfin, normalement, ça devrait aller. Ah ouais, j'avais acheté une compétence que j'ai toujours pas mis. Voilà, moisson. Je l'ai toujours pas mise, je vais... Sur quoi je vais l'associer? On va dire, allez, rond. Elle a un rond. Salut! Combattre aussi bien Tan, voilà. Oh purée, j'ai zéro vie! Oh bah attends, non. Il est en train de me défoncer dans le coin. Attends deux secondes. Ouais, voilà, super. Ah bah nickel, ils m'ont remis la vie tout de suite. Comme ça, je peux recommencer. Allez, viens. On va se mettre sur la tronche. Ce serait bien que tu le vises. Ce serait bien que tu le vises. Tu dépasses toutes mes attentes. Allez, on va régulièrement reculer parce que lui, en un coup, il t'enlève genre la moitié de la vie au moins. On va évidemment pas combattre seul. S'ils peuvent l'occuper un peu, c'est bien. Oh, j'ai la forme de la faucheuse. On va tout de suite essayer moisson. Pas mal. Je vais peut-être me transformer aussi, ça serait pas mal contre lui. Histoire de finir la quête une bonne fois pour toutes. C'est parti. Oui, c'est de... Ben, tu... Qu'est-ce que t'en penses? À toi de me le dire. J'ai gagné? J'ai gagné? Ah bah j'ai gagné. Félicitations, il n'y a pas de petite victoire. Oh, tu as eu de la chance. Je suis peut-être trop vieux pour tout ça. L'âge ne fait pas tout. Bon. Énorme les répliques qu'il a des fois. Un vétéran. Mais il en faut plus pour gagner mon respect. Beitir, Akidna, Argul,
Pour nous, ils sont la mort incarnée. Tu les tous. Ah, c'est les boss annexes, c'est ça. Peut-être que tu es le vrai cavalier. Je relève le défi. Ah ouais, je me souviens. Je dois être votre bourreau. Je tiens à en savoir plus sur mes cibles. Je te dirai ce que je sais. Où puis-je trouver Beytir? Beytir et ses semblables dominaient autrefois ces terres. Une menace de taille quand nous en avons pris possession. L'une après l'autre, nous avons chassé et massacré les bêtes déchues. Mais Beytir s'est creusé un repli souterrain. En fait, c'est les putains de bourreaux aussi. Je sais juste que c'est une créature de feu et de fumée. Des trucs corrompus, des genres de démons en fait. Sous terre. Donc ça passe, on va dire. Ça excuse tout. Bon, on va faire ça plus tard. Qu'est-ce que je peux acheter? Canon double, c'est quoi? Capable d'approcher les ennemis dans les airs, ça me parle. Excellent. Ah oui, oui, soir, ça me dit quelque chose. Non, en fait, je confonds avec DMC où tu sautais, tu faisais un coup de faux et ça envoyait le mec en l'air. Attends, je vais revoir juste deux secondes comment ça se fait. On peut pas le voir, d'accord. On peut pas le voir pour de vrai en plus. Merde, c'était quoi le truc? C'est pas ça. Bon, c'est pas grave, on le fera peut-être sans le vouloir au bout d'un moment, merde. Bon, si j'avais su, je l'aurais lu un peu plus attentivement. C'est pas grave. On va aller voir Vulgrin tout de suite. Donc de mémoire, il fallait aller dans l'espèce de grand espace vert qu'il y a là-bas. Du coup, le spawn le plus proche, c'est celui-là. C'est parti. Il n'y a pas de, raison, on va finir par le trouver. On va faire le tour de la zone, rapidement. Et de tous les embranchements possibles de la zone, en commençant par celui-là, c'est le plus près. De mémoire, ça valait le coup d'aller voir Vulgrim, alors j'espère que je ne me trompe pas. Par où d'abord? Allez. Ben voilà, c'est ça. Voilà le Vulgrim. Vois tout ce que j'ai à offrir. Ben mon vieux, tu savais combien de temps j'ai mis à te trouver. Salutations, cavalier. Je t'attends depuis longtemps. Vulgrim, que me vaut le déplaisir de te voir? Ses ailes en charpie. Je ne veux pas risquer de perdre mon plus précieux client. Pas au danger de la frontière des ombres. Me voici donc prêt à t'équiper. Que sais-tu donc que j'ignore? Je ne suis pas là pur par loup, choix. Pur style, sacré. Enfin, j'aime bien le doublage aussi français. Je vais suivre la piste sanglante laissée par tes lames. Tu es redoutable, Death. Mais je dois pouvoir. Ah, lui aussi, il dit Death, vous voyez? Je possède des articles singuliers. Allons, jette un œil. Donc, je suis tout excusé. Alors vas-y, montre-moi si on a eu la raison de s'emmerder à venir te chercher. Contient un objet rare aléatoire. Un objet enchanté aléatoire. Et si on avait eu plus de sous... Ah, peut-être vendre un truc. Oui, on va vendre des trucs. J'espère que ça c'est... Qu'il n'y a pas celui dont la faux avec laquelle je suis équipé en ce moment qui est compris là-dedans. On va dire ça, allez. Essayons d'atteindre les 10 000. Voilà, 12 000, c'est parfait. Bon, autant tout vider de toute façon. J'espère juste que je perds pas ma faux originale, sinon je suis un peu deg. Alors, acheter du coup. Ah ouais, il y a encore pour 50 000. Oh non, hein, c'est bon, on va pas faire que ça. Contient un objet d'élite aléatoire. Allez.
Au moins, on n'a pas fait ça pour rien. Faux barbare. Accepté, non, pas choix. J'espère qu'elle est bien. Hein. En attendant, tu peux peut-être m'accorder une faveur. Il manque des pages dans le livre des morts. Tu les trouveras certainement sur ta route. Si tu me les rapportes, ta récompense sera substantielle. Tout comme ma damnation. Ok, ambiance. Alors on va prendre tout de suite l'arme. Hein. Ah ouais, on passe de... Attends. Oh non, la baisse, c'est quoi ça? 64, 72, 63, 73. Bon, on a un bonus de dégâts critiques et de chance d'exécution, mais quand même, quoi. Ça, c'est un truc... Oh, purée, ouais. Ça dépend peut-être aussi de mon niveau, parce que je vois que là, c'était niveau 6, ce que j'avais là. Et maintenant, c'est... Oh là là. Je suis un peu deck, j'aurais dû attendre un peu. Bon, on va toujours les équiper, ça serait dommage. Oh, oh, par contre, le skin, il est excellent. Oh là là, excellent, putain, génial. Je regrette pas du tout le look, mais alors pour les dégâts, c'est pas ça. Hein. Oh, elles sont top, franchement. Dommage qu'on les regardera pas longtemps. Nouvel inventaire. Il n'y a rien d'autre à me dire, bon bah c'est bien. Bon bah, on va continuer du coup notre périple. Alors, je dois aller là-bas, trouver le temple perdu. Et je passe par où, par contre? Par Pestebois. C'est par ici. Normalement, hein, ils vont me le dire, je pense. Pestebois, voilà. C'est vrai qu'il y a des golems corrompus un peu partout. Ok, c'est cette espèce de grosse bâtisse. Hop. La retraite. Ah voilà les fameux golems. C'est eux qu'on va pouvoir... Voilà. La clé, on les réanime. Ils ont un bon. Ils sont assez simples. Enfin, côté style, je trouve, côté chara-design, si on peut dire. Mais ils sont sacrément efficaces. Enfin, ils sont géniaux. Ah ouais, alors attends. Est-ce que je peux simplement rouler? Ah ouais, alors là, par contre, pour casser les tonneaux, ça va pas être. Ouf. Alors on va. Ça à l'ancienne. Hein. Encore une faux. Un fourcher. Bien. Alors là c'est triangle et là c'est carré pour les attaques rapides. Ça fait un petit enchaînement de trois coups. Comme ça. Et triangle. Comme ça, d'accord. On vient pas de là. On va aller voir un peu. Ok. C'est fermé, d'accord, on s'en fout alors. Hop, il est là. Non, 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 reste là. Voilà. On tire. Voilà, ça je m'en souvenais, ouais. Évidemment, comme vous vous en doutez, il y aura pas mal d'énigmes avec ce genre de mécanisme. Il va falloir des bombes, pas qu'une. Juste pour un coffre? Bon, j'espère que ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est que ce... Comment... Je suis obligé de les battre, d'accord. Thank you.
Ouais, il n'y a pas une énorme différence hein, sur les dégâts des fous là. Ils sont quel niveau? Ils sont niveau 6 là. Ouais non, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Il m'a un peu roulé comme un marchand. Sérieux. Je sais pas que. Je me souvenais plus que les armes étaient liées au niveau aussi. Enfin encore moins celle élite là qui nous vend. Qui est censée nous vendre le Vulgrim. Bon. Faut aller par là. Ah bah voilà, il y a une bombe là. C'est bidon en fait. Hop. Ça valait le coup de faire protéger ça. Pas vraiment. Bon, j'espère qu'on va au moins faire quelques temps avec ces nouvelles faux parce que je serais un peu déçu quand même. Je serais encore plus déçu. Hop. Faut pas déconner ici. J'imagine qu'il faut pas tomber, sinon c'est la mort. Enfin la mort. Hop, hop, et hop. En dessous. Voilà. Alors où est-ce que ça nous mène tout ça? Oh non, pas eux. Encore les moustiques. On va aller se faire le cocon tout de suite, hein. De mémoire. Ah non, c'est pas le bon. C'est pas les bons bords. Quand je maintenais triangle pour faire la super attaque de l'arme secondaire, ça nous faisait un gros coup. Il me bien. Enfin, en deux coups, en deux gros coups, j'avais plus de cocon. C'était très bien comme ça. Sauf que maintenant, c'est un bouclier que j'ai même. Que je. Attends. Voilà. Que j'ai jamais utilisé, je sais même pas si vraiment efficace. Fermé. On va aller où Dust nous conduit. Je sens qu'on va encore arrêter sur une énigme. C'est fou, hein, ça passe super vite quoi, une demi-heure de jeu c'est rien du tout quoi. Voilà. C'est peut-être pas utile d'invoquer des ghouls sur la fin, non, c'est pas grave. Voilà. Ça commence à s'entrelacer dans tous les sens, ça j'aime pas ça. Ok, c'est simplement pour accéder tranquillement à l'eau.
Bon, il n'y avait rien d'autre dans l'eau, rien d'autre dans l'eau qu'une page. Je vais juste regarder si la map change quand je suis sous l'eau. Non, donc vraiment il devrait y avoir que ça. Alors. Non. Hop. C'est par où la suite ? En haut. Non, c'est bon. Hop, on saute, allez. Oh, c'est bon. Oui. Par ici ? Dust ne répond plus. Je suis revenu au début, sérieusement ? Ah non, c'est là, c'est bon. Attendez. Oui, c'est bon, super, mon dieu. Moi, je m'attendais, en voyant les embranchements, je me suis dit, ça y est, on va tomber sur un truc de 3 heures. Mais pas du tout. Pour une fois, on ne finit pas dans un donjon, une énigme ou quoi. Un réveil difficile, tout ça c'est fait. Éveiller l'automate. C'est marrant, les symboles, il y en a 4. Est-ce que ça voudrait pas signifier les 4 cavaliers de l'apocalypse ? Ça se trouve, je divague complètement. Ah bah voilà Tan. Non, c'est... Je sais plus. Voilà un fondateur. Cavalier, puis-je te demander une autre faveur ? Encore ? Junior, qu'est-ce qu'il y a encore ? Une boussole qui m'a guidé plus d'une fois dans ma jeunesse. Je la croyais perdue, comme le temple. Mais si tu as trouvé l'un... L'autre ne doit pas être loin. Putain mec, vérifie tes poches, hein. Tes sacoches, elles doivent être trouées, là. Que peux-tu me dire sur cet endroit ? Je ne suis venu qu'une fois, pour tenter de renverser un automate. Amusant. N'est-ce pas ? Mais je l'ai à peine fait trembler avant de renoncer. Les ombres sont dégueulasses. Je sentais le regard de Muria sur moi. Trouver la boussole de Karn. Bon, ça, c'est un truc... annexe, hein. On lui prendra si on tombe dessus, comme la dernière fois. Hop, 4 potions, il n'y en aura pas de trop. Voilà, on s'arrête devant les portes du temple perdu. Et on reprendra ça à l'épisode 8. Merci de m'avoir suivi jusque-là et portez-vous bien.